Salut à tous les amis Altis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le Altis Football Club et aujourd'hui on va continuer notre division 1 et on va essayer un nouveau joueur qui est Khéphren Thuram. Bon, il a 92 de général, il n'est pas plus haut, j'ai des milieux qui sont plus hauts, mais on va essayer Khéphren Thuram, N'Golo Kanté au milieu de terrain. Du coup, bah, vous avez vu la vidéo précédente, je suis pas mal en ce moment, franchement, je suis bien même. Je suis à 11 victoires, 3 nuls, 0 défaite en Division 1. Et du coup, bah, on va continuer et on va essayer de continuer. Alors, je sais que la défaite va arriver, c'est pas la peine de me mettre la pression, que je me mette tout seul la pression. La défaite, elle arrive toujours, je vais pas finir à... J'ai pas le niveau pour faire du 100-0. Donc, je sais qu'elle va arriver, j'espère juste qu'elle va arriver le plus lentement possible. Si elle arrive en vidéo, bah écoutez, je ferai le maximum de toute façon pour essayer de ne pas la voir. Mais si elle arrive, elle arrive. On va pas trop se mettre la pression. J'avais fait une fois du 20-0 ou du 20-1, je crois. C'était une de mes meilleures perfs. Donc là, je suis un peu en train d'égaler mes meilleures perfs en Division 1. En tout cas, c'est parti. On se retrouve dès qu'un match est trouvé. Je joue toujours avec ma formation à 3, enfin à 5 derrière. On va dire avec les latéraux. Par contre, ils montent très très haut. Et ça marche bien. Ça marche bien avec Arnold et Théo Hernandez sur le côté gauche. J'aimerais bien trouver un meilleur centreur sur le côté gauche. Je ne sais pas trop qui je pourrais mettre. Peut-être... Il me faudrait un gaucher bien centreur du côté gauche. Je ne sais pas qui mettre. Si vous avez des idées, d'ailleurs, je sais que Alphonso Davies, je l'ai testé, j'ai pas trop aimé. Latéral gauche, c'est pas facile. Hein. Honnêtement, c'est pas facile. Un gaucher qui aurait un aussi bon pied que Alexander Arnold, c'est dur à trouver. En tout cas, on a un Lyonnais en face, je crois, Division 7, j'ai vu. Et du coup, on va voir si Khéphren Thuram est en forme. Ma défense est en forme, ça c'est cool. Mais c'est vrai qu'à gauche, j'ai pas trop d'idées, ouais. Franchement, Théo Hernandez, il a pas un pied de dingue, je crois, pour les centres. Pour les centres, il a 93 de vitesse. Passe à terre, 78. Passe lobé, 79, c'est pas dingue. Hein. Vous voyez ce qu'il y a de l'autre côté. Là, 98, passe lobé. Pah, un délire. C'est pour ça qu'avec Théo, finalement, il faut pas que je centre trop. C'est beaucoup moins efficace de centrer avec Théo Hernandez. Alors que si je centre de l'autre côté avec Trent Alexander-Arnold, là, ça fait vraiment mal. Ça peut faire mal. On va voir son équipe, du coup, en attendant qu'il fasse ses changements. On a du Memphis, du Léo Messi, la nouvelle carte. James Rodriguez, il existe encore. Cristiano Ronaldo, lui aussi, existe encore. Même s'il joue Al Nasser. Vecino, Calhanoglu. Laporte, Ben White, Danny Carvajal. Ouf, Danny Carvajal, 80, c'est pas terrible. Il a même pas monté. Alphonso Davies non plus, donc les latéraux là à mon avis ça va être le... Moi qui attaque sur les côtés ça va être le bon plan. Et puis bah écoutez, il faut qu'on enchaîne les victoires, donc on va essayer de bien jouer et de faire une victoire. En tout cas c'est parti pour ce match, j'espère que vous passez un bel été. Pour ceux qui partent pas en vacances, courage. Et ceux qui partent en vacances, courage aussi, amusez-vous bien. Mais donc voilà, c'est parti. Let's go. Alors, on joue au Konami Stadium. Je suis en rouge aujourd'hui. C'est parti. J'ai mis Del Piero. On va voir ce que ça donne. Ben White. Allez, Théo, il est dessus. N'Golo. Oh, le contrôle d'N'Golo Kanté qu'il a fait. Horrible. Allez, Khéphren. Bien joué. Ouais, c'est brouillon le début de match, là. Oh là là, c'est très brouillon mon début de match. Khéphren Thuram, la passe elle est belle. Oh, il a bien défendu. Soit il a bien défendu, soit c'est moi qui ai mal attaqué, je sais pas. Un peu des deux on va dire. Ça a l'air de pas mal jouer en vrai. Hein. Aïe. Oh là là, je joue mal. Il y a une grosse faute, j'espère pas de carton. C'est sûrement un Lyonnais hein, qui a mis Memphis avec le maillot de l'OL là. Léo Messi pour le coup franc. Alors attention, on sait qu'il peut marquer Léo Messi. C'est au-dessus. Heureusement, c'est pas très très bien tiré. Heureusement. Pour moi, mais alors pour l'instant sa formation a l'air de me gêner un peu. Franchement, il joue pas mal en défense. Je sais pas trop comment le contourner, mais ça a l'air un peu chiant. Il me contre beaucoup de ballons.
Bien joué, Kefren, la transversale, superbe. Là, on est en 2 contre 1. Ah, oh, dommage, j'aurais peut-être pas dû faire la dernière passe. Kefren Turab. Oh, il y a faute, monsieur l'arbitre. Oh, il m'a balancé, mon gars. Il m'a bien balancé par terre, quand même. Hein. Allez, Marquinhos qui va récupérer ça. Yes. Il s'est battu comme un petit fou, là, Marquinhos. C'est pour moi, hein. Ouais. Oh, Neymar. Ah, je sens que... Ah, c'est pas bon, là. Va falloir que je sois bon, parce que je sens que... Sans parler de script et tout, vu qu'il a une équipe qui a 2500, je galère à... Je trouve que mes joueurs sont lents à réagir et tout. Ça fait ça souvent. Hein. Je trouve que mes joueurs sont un peu mous. Allez. Allez, Théo Hernandez. Neymar. Kefren Thuram qui récupère. Alexander Arnold. Allez! Oh là là, Mbappé, dommage. Vous avez vu Arnold qui est revenu dans l'axe un peu en tant que latéral, un peu à la Guardiola. Qui a un peu inventé les latéraux qui revenaient jouer dans l'axe comme ça. Qui prenait pas forcément juste le couloir. Ouais, mais je vais en mettre 10 ans à réagir, c'est un délire, les gars. Oh, oh là là, je le sens de fou, franchement, je le sens de fou. Faut que je joue simple, parce que je trouve que mes joueurs, vraiment, sont balourds, là. D'habitude, chez les petits 1-2, machin, là, je sais pas, ça passe pas. Oh là là, catastrophique. Une catastrophe au niveau de la réactivité. Faut vraiment que je sois bon là. Oh, aïe 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 aïe, mon dieu. En fait, j'arrive à rien faire. C'est le genre de match où vous arrivez à rien faire. Oh, c'était dur la passe là. Incroyable. Hein. Il y a lui, la Rames Rodriguez, et il me fait des débordements avec Rames Rodriguez, quoi. Truc de fou. Allez, Neymar. Ah, oh, Neymar, t'as le droit de passer face à Ben White qui a 80, là, quand même. Del Piero. Il va me rattraper, hein. Il m'a rattrapé avec son Ben White à 83, là, hein. Aïe aïe aïe, Del Piero, dommage qu'il tire à côté, j'aurais peut-être dû enrouler, mais j'étais en fin de course et tout. Je me suis dit, je vais mettre une mine. Putain, c'est ouf. Allez, allez, il faut que je me concentre. Ah, évidemment, il a le pied très long. Oh là là, je voulais pas la mettre là. Oh là là, j'arrive pas à faire une passe, c'est un truc de fou. J'arrive pas à faire une passe, je suis deux... Non, je l'ai pas mis là, je l'ai pas mis là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces dingueries? Il se passe que des dingueries, les gens. Faut absolument que je marque un but, sinon je vais me faire avoir. Aïe aïe aïe. Oh, oh c'est ouf, c'est ouf. Il a vraiment pas une bonne équipe et je galère, les gars. J'ai même pas fait de tir. Donc là, il faut que je change quelque chose vraiment clairement. Je vais mettre en MO et je vais mettre 2 AC. Mais là, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Les deux sont en offensif, ils sont pas montés. Je sais pas pourquoi, vous avez vu. Normalement, offensif, ils montent beaucoup. Là, c'est impossible de le faire monter. Je comprends pas. Lui, il arrive vachement bien à me bloquer. C'est un délire. Hein. Il joue en 4-2 ou en 4-3-3, 4-2-1-3. Il joue avec 4 attaquants, c'est un délire. Hein. En fait, il faut que je zappe peut-être le milieu de terrain.
C'est vrai qu'il peut pour presser, il a beaucoup d'attaquants, du coup il faut peut-être quand je repars de derrière, faut que je fasse attention un peu plus. Je reparte pas trop de derrière justement. Allez Théo, vas-y. Oh là là, la frappe d'Arnold, dommage! Il y avait des boulevards là, hein. Dommage. Allez, ça va passer les gars. On va lui mettre un peu de pressing à lui aussi, hein. Regardez le contrôle qu'il me fait Del Piero, mais c'est un truc de fou, il me fait un contrôle à 4 mètres! Qu'est-ce que c'est que ce contrôle complètement raté qu'il me fait là? La faute? Oh là là, il... Non. Allez, on va dire que ça aurait été quand même un peu injuste un penalty là-dessus. Il joue pas mal, en tout cas il joue bien hein, le joueur, il joue pas mal. Hein. Vu l'équipe qu'il a et tout, il joue bien. Je lui ai demandé la passe directe, il me la fait pas, Khéphren Thuram. Oh, c'est compliqué les gars. Hein. Allez Théo. Un corner. La remise peut-être? Non. Le nombre de spectateurs pour ce match, 71 000. Allez, concentré là. Ah putain, c'est une blague. Oh là là, ça passe. J'ai l'impression que j'arrive. Khéphren Thuram fait que des passes de merde. C'est un délire. Oh, il est horrible. Je vais le sortir. Je vais le sortir. C'est pas terrible. Pourtant, j'ai monté les stats de passes et tout. Mais il fait que des passes de merde. C'est un calvaire. C'est franchement chaud. Le match, vraiment, franchement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un rééquilibrage de dingue. C'est... Je comprends pas comment je le mange pas, mais bon. Alors, on va changer Khéphren Thuram. Il est vraiment pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. On va mettre Pedri. Neymar, on va le sortir. On va mettre... Foden. On va mettre Alvarez à la place de... De Mbappé carrément, hein. Mbappé là il a pas été bon. Ça Changement pour l'Olympique Lyonnais. sert à rien de s'entêter. Le numéro 18, James Rodriguez. À sa place, le numéro 22. À N'Golo Kanté. Sur Alexander Arnold. Direct en profondeur sur Julian Alvarez. Mais putain, mais c'est un truc de ouf! Genre, Emeric Laporte, là, il me stoppe comme ça. Mais c'est un truc de fou, les gars! Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce match? Son Laporte qui est même pas monté, là, il me stoppe. Il a carré... Mais... Oh là là, c'est horrible, les amis, c'est horrible. On dirait vraiment que le jeu a envie que je perde, c'est horrible. Foden, dommage. Oh!
Pedri, dommage. Oh, c'est une blague. Putain, j'arrive pas à passer, c'est un truc de ouf. C'est impassable, je sais pas pourquoi, c'est impassable. Lui, il joue avec Macaroni, là, et Cristiano Ronaldo, qui a 42, 49 ans. Oh, ça passe pas. Oh, ça passe pas, mais c'est pas possible, les gars. C'est pas possible, ce match de ouf. Oh là là, pourtant, là, je tente. Hein. C'est incroyable. Je vais m'en offensive, je vais essayer d'aller chercher la victoire, en vrai. Hein. Oh là là, horrible. Allez. Il faut donner. Oh, mais comment il attrape ça, Emeric Laporte? Mais sérieusement, c'est quoi ce truc de fou? Emeric Laporte, il est impassable. J'en peux plus. Emeric Laporte, il est même pas monté son joueur. Il attrape tout, le mec. C'est un enfer. Et lui, pourquoi il me fait un contrôle de Milan, N'Golo? Oh, les matchs comme ça, ça rend fou, les amis. Il veut pas que je gagne, quoi. Regardez, je peux pas faire une passe sans contrôler, c'est ouf. Et bien, c'est... Oh, ça va trop lentement, c'est horrible. Oh, il me rate la passe, Pedri, mais c'est un délire. Je peux pas gagner ce match, les amis. Vraiment, je peux tout faire, mais je peux pas gagner ce match. Je me mets devant. 10 fois, je me mets devant. J'ai failli me prendre un but, hein. Et c'est un truc de fou, hein. Écoutez, vous savez quoi? On va faire un deuxième match, parce que ce match... Je refuse de dire que ce match, c'est un match, en fait. C'est pas possible. Impossible de jouer ce match, c'était fou. Oh, je perds 20 points en plus. Complètement mou, genre c'était horrible, vraiment c'était horrible. Allez, on va essayer de se rassurer avec un autre deuxième match. Allez, c'est parti. J'espère juste que je vais pas avoir tout contre moi là, et des personnages, des joueurs tout mous là. Qu'est-ce que c'est horrible quand ça fait ça. Je sais pas, alors ça se trouve c'était la connexion, j'en sais rien, mais... Non, c'était pas la connexion, carrément il ratait des passes de dingue et tout. Allez, let's go. On va essayer de commencer comme ça, on va voir ce que ça donne. Kefren Thuram, par contre, désolé, mais c'est fini pour toi. C'est terminé pour toi. On est en forme ou pas? N'Golo Kanté n'est pas en forme. On va mettre Frenkie de Jong. Sinon, le reste, c'est plutôt en forme. Théo Hernandez en très grande forme. Le goal en forme, c'est cool. C'est parti. Du coup, j'espère vous proposer un meilleur spectacle et un match moins frustrant. Vraiment, c'est fou sur ce jeu, parfois, comme vous pouvez jouer. Mais même, parfois, il y a des semaines où vous jouez, vous ne touchez rien à votre formation, ça marche très bien, et vous rejouez la semaine d'après, c'est horrible, vous galérez, du coup, vous devez tout changer. Et c'est pas les adversaires qui changent, honnêtement, c'est vraiment, il y a un truc dans le jeu qui fait que, parfois, c'est juste trop galère. Je sais pas exactement ce que c'est, on a toujours pas tous compris ce que c'était. Je sais pas comment l'autre a fait, celui d'avant a fait match nul, franchement, c'est un miracle. J'arrivais pas du tout à développer de jeu, je pouvais pas faire des passes rapides, c'était comme si j'avais un handicap. Je pouvais pas jouer vite, c'était horrible. Du coup, est-ce que c'est pareil ici? On va voir. Et Kylian Mbappé, il est parti. Et Hernandez, le but 1-0, let's go! Allez là, c'est comme ça qu'on veut commencer.
Comme ça qu'on veut commencer les matchs. Let's go. 1-0. Ça a l'air quand même plus réactif. Ouf, j'ai bien senti le tac là. Mais voilà, là c'est réactif comme avant quoi. Mais j'espère que ça va durer. Oh, elle est belle, ça passe. Il a bien joué le coup, hein. Attention. Ça a l'air d'être un bon joueur. Non ! Il y a vraiment faute, là ? Ah, ça match, il part vite, hein. J'ai pas vu s'il y avait faute, honnêtement, mais bon. Alors, Eto. Ça tire à droite, Eto, hein. Oh, j'y étais, dommage ! Oh, il a mis de la puissance parce que franchement, j'y étais. C'est du deg. C'est Nesta qui fait la faute. C'est rare quand même qu'il nous en fasse une comme ça, Nesta. Hein. C'était un peu loin la passe d'Alexander Arnold là. Attention, ça va aller vite. Il a mal joué le coup là pour le coup. Tant mieux pour moi. J'aurais pu faire une passe avant. Ah, oh, Neymar qui est pas foutu de faire un contrôle. Allez. Allez, on va jouer sur Del Piero. Ah, dommage, la passe d'Mbappé, elle est pas ouf. Ouh, j'ai désectionné mon joueur, ça a failli m'avoir. Merde. Ah non. C'est rentré dedans. Il y a de l'espace, hein. Pierrot, il est dur à trouver. Hein. Ok, ça fuse. Il est dur à trouver Del Piero. Les autres sont assez loin de lui. Je sais pas trop si je devrais jouer comme ça. Je crois que je vais changer un petit peu contre lui, là. Je vais changer un truc, c'est que Neymar, je vais le refaire jouer SA, comme ça, en soutien. Je vais juste laisser Mbappé à droite. Parce qu'avec Arnold, ça passait bien pour le moment. Oh là là, oh la passe, dégueulasse. Heureusement que lui aussi nous fait une passe dégueulasse. Yes, le but d'Mbappé, let's go! Let's go! Quelle grosse frappe d'Mbappé, j'hésite à refaire une passe. Je me suis dit, vas-y, on va tenter une grosse frappe là. C'est parti, c'est bon, on est bien là. Arnold Mbappé à droite, ça fait mal. Hein. Il faut revenir. Oh, c'est bien joué. Oh, il est à la limite de hors-jeu. Bien joué à lui. Ah, c'est chiant. Je défends mal contre les gens qui jouent le contre en une touche comme ça. Des passes qui n'existent pas en vrai, mais... Dans les jeux de foot... En fait, je me dis toujours, il va pas la faire direct. Il a fait direct, en fait. Dans les jeux de foot, ça passe, en fait, ce truc. Oh, dommage. Dommage, dommage. En tout cas, c'est un beau match. Hein. 2-2, honnêtement. En 32 minutes, au moins. Et du spectacle, quoi. Oh, magnifique. Oh, tir direct. Oh, Del Piero, j'aurais mis un de ses buts.
Oh, je suis dégoûté. J'avais fait un dribble de fou avec Mbappé là. Oh, le centre de Mbappé. Oh, le centre horrible. J'aurais dû faire une petite passe, mais ils étaient pas démarqués, quoi. Il faut pas centrer avec Mbappé, ça sert à rien. Il est nul en centre, laisse tomber. Horrible en centre. Nesta qui joue tranquille. Je l'avais, dommage. Enfin, je l'avais pas, mais j'étais pas loin, quoi. Non. Oh, c'était bien joué. Franchement, c'était bien joué, son petit contrôle, là. Oh. Non. Ah, dommage, j'avais un petit compte 2 contre 3, mais ça pouvait se jouer. Bon, 2-2, ça va tellement vite devant. Il faut que je joue en ultra dev contre lui, ça va trop vite devant, en fait, c'est chiant. Ça marche bien, mais je vais me mettre en ultra dev juste parce qu'en fait, il veut que de la profondeur, lui. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est lui couper la profondeur, je pense. On va voir si ça marche bien, mais je pense que c'est lui ce qu'il veut. Il veut juste de la profondeur. Il faut lui couper la profondeur à ce joueur. Le problème à prendre ultra def, c'est que moi aussi, il faut que je joue en compte, quoi. Sinon, c'est très très long d'arriver à son but, quoi. Quoique, remarque. Quoique. Ah, s'il la relâchait, il y avait Del Piero qui était là. Ah, oh, si je la mettais un peu plus fort là, qu'il la relâchait, c'était bon, hein. Dommage. Mbappé. Ah, Mbappé. Ah là là, le centre. Mais qu'est-ce que je fais? Je voulais le faire à ras de terre en plus. Ah, je suis dans un bon temps fort là. Vous lui tirez direct. Il prend l'eau là. Il y a plus d'espace. Il prend l'eau. Faut que je réussisse à. Il va changer quelque chose, je pense. Mbappé est mort. C'est le moment de lui mettre un Vinicius ou un truc comme ça. Hein. Alors, on va tout changer. C'est le moment d'avoir des joueurs frais contre ces défenseurs un peu fatigués, là. Allez, il faut que je le gagne, ce match, les gars. Il faut que je le gagne. Je suis toujours invaincu dans cette Division 1, mais il faut que je gagne ce match. Il faut aller chercher la victoire, là. Let's go. Let's go, let's go. Je veux cette victoire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui, du coup? Ah ouais, d'accord. Il joue en 4-2-4. Mais qu'est-ce que c'est que cette formation dégueulasse? Ah ouais, mais c'est horrible. Je comprends pas que je puisse pas gagner contre lui. C'est horrible. J'ai eu des occasions, hein, mais... En fait, lui, il zappe complètement le milieu de terrain. Il n'y a aucun football. Je balance devant et je fais une contre-attaque. Il construit pas du tout. Du coup, bah... Il faut qu'on le punisse, hein. Number 11. Number 14. Neymar.
Ok, ça va être un autre... C'est un corner, non? What? Ah non, j'ai tiré dans mon pote, là? Ah merde. Ah non, d'accord, c'est un corner. Je me disais ici, quand même. Oh, j'y étais presque. Oh, Courtois qui est là encore, l'enfoiré. En tout cas, on n'a pas conseillé de casse depuis qu'on joue en ultra def. Depuis qu'on lui a coupé complètement la profondeur, il est moins fort quand même, donc c'est bien. Donc ça, c'est tant mieux. On allait chasser, c'était dangereux. Non. Attention. Allez, allez Foden. Non, il n'y a pas hors-jeu. J'avais tout fait une touche de balle. Oh, il y a hors-jeu de peu. Oh, dommage. C'est quoi, je le fais jamais, mais je pense qu'il faut que je me mette en contre-attaque pour le jouer, lui. Hein. Oh, je l'avais, Foden, je l'avais. Non, mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas possible. Oh, il est cramé. Hernandez, il est cramé. Non. Non. J'ai failli, j'aurais dû me mettre en contre-attaque en fait, mais pff, là j'ai plus le temps, c'est 87ème, c'est chaud hein. Foden il est déjà mort, il vient de rentrer, il est déjà mort le type. C'est chaud quand même. C'est chaud d'être comme ça là, Foden il est rentré, il est mort. Allez, il va en rester une là, de chaque côté en gros hein. Hernandez, il est mort, faut plus que je joue avec lui, il est complètement décédé là. Pourquoi il passe pas? Oh non, mais c'est pas vrai, pourquoi ça passe pas ça? Je suis deg. C'était chaud hein. Non, mais Lucas, j'ai dit. On joue plus avec lui, avec Théo, il est mort. Ah, c'est fini. Je suis dégoûté. Franchement, deux matchs nuls. Je suis dégoûté, mais bah, c'était dur. C'était dur. Franchement, j'ai eu la possession. Franchement, si j'avais fait tout le match en ultra def, je crois que je l'aurais eu parce que sans profondeur, il avait quand même beaucoup plus de mal à attaquer. Mais bon, c'est comme ça. Sur ce, il avait une très très grosse équipe. Hein. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous, merci d'avoir regardé. Et à plus tard, c'était Altice. Ciao tout le monde.